Alors, aujourd'hui, on va continuer la vidéo Vos pires fantasmes numéro 5 de vodka. Donc, si tu ne l'as pas encore, tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à regarder la première partie de la vidéo de ma réaction à cette vidéo, là, par là. Je vais mettre la fiche. Et voilà, salut toi! Alors, si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue. Je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer radicalement de vie en 3 mois à passer au-delà de leurs blocages inconscients grâce à l'hypnose. Donc voilà, si tu veux profiter de la promotion que je suis en train de faire en ce moment, de laisser en place des coachings à l'heure jusqu'au 31 mars, eh bien contacte-moi via Instagram, envoie-moi un message privé et je répondrai au mieux et on essaiera de se mettre en place un petit appel pour que je vois si tu corresponds au genre de personne que je peux aider. Voilà. Bon, alors on va commencer. Mon fantasme est de faire un gangbang avec mes potes du CP. On était 10, mais je n'arrive pas à tous les chauffer. Tu vois, déjà ça commence. En fait, on a tous cette image, on repense tous à nos potes d'enfance. Des CP, mais pourquoi tu veux pas un truc comme ça avec tes potes des CP? Je n'arrive pas à tous les chauffer. J'ai réussi à en convaincre 3, mais d'autres, impossible de les contacter. C'est même pas impossible de les convaincre, c'est de les contacter. Je veux dire, t'en as déjà réussi à convaincre 3 sur 10? C'est déjà pas mal. Lui, ses 3 potes, il est 9. Tu le fais déjà, et après tu contactes les autres, tu dis bah on l'a fait. Ouais, commencer par faire un petit comité, et après on convainc les autres. Mais toujours de ne forcer personne, et que tout le monde soit pour, c'est sûr. Je les vois bien faire un pacte quand ils avaient 6 ans, bon les mecs. On baisera tous ensemble. Après, je trouve ça cool. Ah, c'est si drôle. C'est si drôle. Bon bah comme elle le dit très bien Clarisse, hein, le consentement les gars, le consentement c'est hyper important. Donc si vous voulez, si tu veux réellement avoir ce genre de pratique sexuelle, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, le consentement, genre règle numéro 1, il faut que tout le monde soit d'accord. Règle numéro 2, il faut que ça soit clair et explicite. Règle numéro 3, on se protège et on ne refile pas ni ses IST ni ses MST, protégez-vous. C'est cool parce que c'est un fantasme qui réalisera peut-être jamais et du coup c'est quand même aussi bien d'avoir des fantasmes que tu réalises. On réalise pas, ouais, il y en a qui sont pas faits pour être réalisés. Bah des fois tu les réalises et tu te rends compte que finalement bah c'est pas du mieux dans ta tête. C'était pas du tout ce que tu voulais quoi. Celle-ci c'est pour moi parce que j'ai une passion pour certains chauves. Ok. Alors donc pardon, le fantasme, je lis, c'est je fantasme sur les hommes chauves comme Vin Diesel, Dwayne Johnson ou Jason Statham. Je pense que c'est plus le corps baraque là qui te plaît que le... Je suis si d'accord. Je suis si d'accord parce que André, 55 ans, chauffeur poids lourd avec sa bedaine, a priori il va moins te séduire que Vin Diesel à mon avis. C'est plus la musculature aussi que le crâne luisant. Bon, bah après, chacun ses choses, hein. Bah après, ouais, je pense que c'est plutôt le corps, en fait. Ouais, c'est plus l'ensemble. Quand quelqu'un est bien musclé et qu'il est chaud, je pense que ça revient quelque chose. Bah Dwayne Johnson, franchement, il est chaud, c'est un fait, il a un corps de ouf, donc les deux ensemble, ça va très bien. Mais après, petit exemple, le mec de Taxi 5, Franck Gastambide. Ah oui. Il est hyper sexy, pourtant il est pas baraqué de ouf. Philippe Etchebest. Non. Je refuse qu'il y ait un fantasme autour de Philippe Etchebest. Je suis vraiment désolée, mais moi je mets ça dans une case de ma... J'ai oublié déjà, j'ai oublié, j'ai refoulé cette information. Je le trouve... Charismatique. Charismatique, voilà, c'est le mot. Mais en fait j'ai mis ce fantasme pour rassurer les chauves. Au cas où moi un jour je suis chaud, déjà ça me rassurerait. J'ai pas le début là, j'ai juste un trou là. C'est le stress, c'est pas le... Je suis pas chaud. Là, j'ai pas de désir. Sinon, tu peux faire une greffe de cheveux. Je peux faire une greffe de cheveux plus tard, si vraiment ça me va pas bien. Comme quoi, si vous commencez à perdre vos cheveux, c'est pas pour ça que vous devenez moins attirant. Hein. Il faut juste l'assumer. Je pense que dans certains cas, c'est mieux de raser, d'être chauve, un beau chauve, que de laisser un peu de cheveux et tout. Des fois, c'est mieux de s'assumer chauve. Et la preuve, on peut fantasmer sur les cheveux. Il y avait un surveillant dans mon collège qui était à ce que j'appelle les mi-chauves. C'est-à-dire qu'il avait une longue mèche comme ça, il avait une longue mèche comme ça, et là c'était chauve, et il recouvrait. Ça c'est terrible, hein. Il faut pas faire ça les gars, hein. Il faut pas rester dans le déni comme ça, faut pas faire comme moi avec Etchebest et les fantasmes. Non, 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 sortez de ça, rasez-vous la tête, ça sera beaucoup mieux parce que cette mèche-là elle est dégueulasse. Et ça s'appelle Vin Diesel, mais ça marche bien.
En gros, ça serait de coucher avec un mec intelligent, mais vraiment intelligent, en le regardant dans les yeux, quelque chose de profond et tout, et qu'après on parle de philo en se faisant des câlins dans un grand lit. C'est bizarre ou pas? Déjà, non, y'a rien de bizarre. Non, y'a rien de bizarre. C'est juste que t'es. C'est quoi? C'est sapiosexuel. Sapiosexuel, qui aime l'intelligence. Mais bon. Alors, ça, c'est le fléau le fléau du monde HPI. C'est les gens qui viennent te voir juste parce que t'es intelligent. Et ça, ça, c'est pas cool, ça. Parle-moi de psycho, parle-moi de... Oh là là, je suis tellement... Non, je ne peux pas vivre avec ça, parce que je suis une personne entière, et vous, tous les HPI qui me regardez, et qui... La règle est d'accord avec moi. Vous, les HPI qui me regardez, et qui êtes approchés par des sapiosexuels, bon, si vous n'avez pas beaucoup de relations avec les gens, sautez sur l'occasion, mais aussi... réfléchissez aussi très fort au fait que ben vous êtes une personne dans votre entièreté, vous n'êtes pas seulement un cerveau, et qu'il y a ça aussi à prendre en compte dans une relation. Enfin, je ne suis pas qu'une tête. Moi, je trouve que tout le monde aime les gens un peu intelligents. Je pense que c'est plus un feeling où tu sens qu'il y a plus une discussion que du sexe quand, du coup, avant ma copine, quand j'étais célibataire, de voir des filles. Et en fait, de base, on devait juste se voir pour coucher ensemble, on pensait pas me remettre en couple, et finalement, je suis tombé sur l'amour. Mais du coup, je me suis dit, putain, presque, on va pas coucher ensemble. Bon, on l'a fait quand même, parce qu'il y a un pacte de base. Mais tu te rends compte que tu discutes et que c'est beaucoup plus intéressant quand il y a un feeling de ouf, en fait. Le sexe est plus intéressant. Donc je pense qu'on l'est tous un peu. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment attirés par ça. Qui préfèrent même avoir une grosse discussion intelligente, ça les excite même plus. Enfin, en tout cas, ils ont plus de plaisir que faire du sexe. Et c'est pas un problème, mais un très bon fantasme. Et toi, c'est quoi ton fantasme? Moi, mon fantasme, là maintenant avec ma copine, je sais pas, c'est peut-être le truc de préparer un week-end de ouf où elle est au courant de rien et en fait c'est surprise sur surprise. Oh, c'est trop mignon ça. Et une fois je l'avais fait, j'avais tout prévu, elle était hyper fatiguée et du coup j'étais trop lourd, je disais t'es sûr tu veux pas prendre la main? Et en fait dans la salle de bain j'avais mis des pétales de rose, tout ça. Oh, mais c'est trop mignon. Et tout, je dis t'es sûr? Elle disait non, mais là je suis fatiguée et tout. T'es sûr que t'as pas faim? J'avais acheté des assiettes, j'avais acheté une nappe, j'avais tout prévu. Et après elle s'excusait, je dis non, mais c'est moi, j'étais tellement lourd, mais j'avais tellement tout prévu dans ma tête. Tout est tombé à l'eau, mais finalement un peu fait, mais dans ma tête j'avais tout prévu, j'avais même noté sur mon téléphone l'heure et tout. J'avais dit 19h30, je cherche à la gare. C'est extrêmement mignon. On arrive à 45, on fait ça. Et en fait, j'arrivais et elle dit non, je fais ça. Au moins, t'as essayé. Je me suis senti un peu bête après d'avoir forcé, j'aurais pas dû, tu vois. En fait, t'étais trop excitée par ta surprise aussi, c'est pour ça. Ouais, dans ma tête, tout devait se passer, sauf que j'ai oublié un truc, c'était de prendre en compte la personne. Et toi, du coup? Moi, ça serait de le faire dans des endroits typiques avec des bêtes de vue et tout. Tu vois, par exemple, quand tu vois des vidéos de cabanes aux Maldives avec des vues, enfin, ça serait mon kiff en fait. Comme ça, t'es dans ton moment, mais en même temps, tu lèves la tête. Tu vois l'océan. Pour moi, c'est pas si réalisable. Tu un peu d'argent de côté. Ah, ça c'est clair que ça c'est réalisable. Et tu prends un bon Airbnb, tu sais, ceux avec les piscines à débordement là. Oui, ouais, c'est vrai. En fait, ouais, c'est pas un fantasme irréalisable en vrai. Après, fantasme irréalisable, ça serait de coucher avec des stars que je kiffe. C'est totalement irréalisable, j'en suis consciente. Et puis, je préfère que ça se réalise pas parce que je. Vin Diesel. Tu sais que sinon je vais être déçue. Bah, j'espère que ça vous a plu, parce qu'il y a à peu près tout qui a été mis. T'as des réseaux sociaux du coup si on veut te suivre ou... Ah, j'ai un compte Twitter où vous pouvez me retrouver, c'est Clarification. Allez-y, je suis dessus. Il apparaît juste là. Ah, c'est fou, hein. C'est trop cool. Et qu'est-ce que tu fais du coup sur ce compte? Mon compte, je recueille beaucoup de témoignages. En ce moment, on recueille des témoignages sur le harcèlement dans les transports. Bon, on en parlait tout à l'heure hors caméra, mais moi, c'est des trucs des fois qui me sont arrivés. T'es en mode, c'est quand même hyper bizarre ce qui vient de se passer, ou mine de rien. On évolue dans le bon sens. J'en avais parlé avec une association qui recueille des animaux battus. Je leur avais dit, depuis que vous existez, il n'y a pas de plus en plus de cas. Et ils me disent, il y a moins de cas, mais il y a plus de révélations de cas. En gros, avant, il y avait peut-être 10 000 personnes qui abandonnaient leurs animaux. Maintenant, il n'y a peut-être que 1 000, mais ces 1 000 sont vues. Alors vraiment, les 10 000 n'étaient pas vues. Et j'ai l'impression que c'est pareil. Maintenant qu'on dit aux gens de parler, il y a plus de gens qui parlent et ça arrive moins. Et il faut continuer à en parler. Le plus dur, c'est quand ça arrive devant toi et il faut réussir à réagir sur le coup. Mais c'est un autre débat, on en parle un peu dans une autre vidéo. Mais voilà. C'était une vidéo sur les fantasmes 4. Encore une. Et ben voilà, parfait. Bon, du coup, c'était une vidéo réaction sur les fantasmes des gens. Il faut savoir qu'il n'y a aucun jugement derrière de la sexualité d'autrui. À partir du moment, encore une fois, où il y a des règles qui sont strictes pour moi, le consentement et les protections, la communication, explicite. Si vous n'avez pas explicitement le consentement de quelqu'un, vous n'avez pas de consentement. Et ça, il faut le savoir, il faut vous le dire. Donc voilà.
vous niquerez jamais l'ambiance à demander si la personne a vraiment envie d'avoir une relation sexuelle avec vous. Ça n'arrivera jamais. Et si un jour ça arrive, vous êtes tombé sur une personne absolument détestable et elle ne mérite pas d'avoir des relations sexuelles avec vous. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je passe du vous au tu. Voilà. Que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris quelque chose. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à laisser un commentaire sous cette vidéo et à la partager sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Voilà, c'est tout. Allez, bisous.